Rallye. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles recommandations de l'ESC 2021 sur l'insuffisance cardiaque chronique et aiguë. Je vous préviens tout de suite, c'est un grand bloc, donc accrochez-vous. Donc, vous le savez bien sûrement, l'insuffisance cardiaque, c'est le sujet à la mode en ce moment. Tout le monde en parle, plusieurs études ont été mises au fil ces dernières années, que ce soit par l'ESC ou par les autres sociétés. Ces nouvelles guidelines sont bien à pic pour justement résumer toutes les preuves disponibles et proposer la meilleure approche possible de cette entité. On a d'ailleurs de nombreuses nouveautés et de révisions qu'on va essayer de détailler au fur et à mesure. Donc, avant cela, un petit rappel, comme la plupart de ces recommandations, c'est des tableaux. Je me permets de rappeler le niveau de recommandation et le niveau d'évidence. On a la classe 1, où toutes les parties des guidelines sont d'accord. La classe 2, et là, on distingue le 2A et le 2B. Et le 2A, ça devrait être fait, le 2B, ça pourrait être fait. Enfin, la classe 3, où ce n'est pas recommandé. Puis après, vous avez les niveaux de preuve. Le A qui peut être basé sur plusieurs essais randomisés ou méta-analyses. Le niveau B, où sur un seul essai randomisé, plusieurs études non randomisées. Et le niveau C, quand c'est basé sur des consensus d'experts ou des données rétrospectives sur des registres. Donc, il faut savoir que les guidelines de 2016 ont été révisées pour rendre chaque phénotype d'insuffisance cardiaque autonome, que ce soit en termes de diagnostic et de traitement. 8 items ont été développés et pour cette session, on va se concentrer surtout sur l'insuffisance cardiaque AFE réduite avec son traitement, l'insuffisance cardiaque aiguë avec ses différents profils, tout en parlant de la prévention ainsi que le traitement des comorbidités cardiovasculaires et non cardiovasculaires. Pour l'insuffisance cardiaque AFE préservée, le modérément réduite ainsi que l'insuffisance cardiaque avancée, ça sera traité un peu plus ultérieurement lors d'une prochaine session. Donc, on commence par la définition classique de l'insuffisance cardiaque. C'est un syndrome clinique, il y a des symptômes, il y a des signes associés. Donc, tout ça, c'est dû à une anomalie structurelle ou fonctionnelle causant une élévation des pressions intracardiaques et ou un débit cardiaque inadéquat, aussi bien au repos qu'à l'effort ou les deux. Donc, plusieurs terminologies ont été affiliées à l'insuffisance cardiaque. En pratique, ce qu'on utilise chaque jour, c'est qu'on a tendance à utiliser la fraction d'éjection comme critère de classification. Et là, notamment, on va s'intéresser à l'insuffisance cardiaque à effet réduit. Cette dernière devant être inférieure ou égale à 30% avec présence de symptômes plus ou moins 6. La grande nouveauté, c'est le changement de la nomenclature d'insuffisance cardiaque AFE intermédiaire, ou le mid-range, qui est devenu modérément réduite, mildly reduced. C'est des analyses en fait rétrospectives sur l'insuffisance cardiaque AFE préservée, qui ont inclus des patients qui présentaient des FE entre 40 et 50%, et ils ont montré qu'ils pouvaient bénéficier du même traitement que ceux qui avaient une FEVG inférieure à 40 ou égal à 40%. D'où le changement de terminologie maintenant, heart failure with mildly reduced ejection fraction, le terme étant beaucoup plus approprié. Donc là, vous avez l'algorithme diagnostique de l'insuffisance cardiaque chronique. On n'a pas de grands changements par rapport à celui de 2016. Comme dit précédemment, le diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique nécessite la présence de symptômes et de signes, le diagnostic étant plus probable chez les patients avec des facteurs de risque. Toutefois, comme c'est loin d'être suffisant, bien sûr, on a besoin de tests diagnostiques pour l'évaluation de ces patients. Et à ce titre, les petites natriurétiques ont gagné de la place dans cet arbre diagnostique. Vous remarquerez les valeurs seuil qui sont extrêmement basses comparées à celles de l'insuffisance cardiaque aiguë. Il faut dire qu'il y a peu d'études qui ont été consacrées à la valeur diagnostique des petites natriurétiques. Et ces guidelines ont considéré principalement des études qui incluaient des seuils au-dessous desquels que la probabilité était vraiment extrêmement faible d'en avoir. Et notamment là, c'est dans le cadre chronique, c'est 35 microgrammes pour le BNP et 125 pour l'NT-proBNP. Ils doivent être réalisés dès suspicion de l'insuffisance cardiaque et avec un niveau de recommandation qui est passé de 2A à 1B maintenant. Et dans de rares cas, quand la probabilité d'insuffisance cardiaque est forte et si ces petits ne sont pas disponibles, on peut passer directement à l'échocœur qui posera le diagnostic. Quant à la partie recherche étiologique, on n'a pas de changement évident par rapport à l'écho de stress ou l'IRM cardiaque, si ce n'est une montée de classe du coroscanner qui est passée du 2B au 2A chez les patients avec une probabilité pré-test faible ou intermédiaire et chez qui les tests d'ischémie non-invasive n'ont rien, n'ont pas pu statuer sur le caractère ischémique. La coro, elle est recommandée chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque qui rapportent une notion d'angine de poitrine ou l'équivalent malgré un traitement médical optimisé. J'insiste bien sur ce terme-là. Afin d'établir justement le diagnostic de la coronopathie de sa sévérité. Et même chez un patient en insuffisance cardiaque à effet réduit, en cas de probabilité
prothèse intermédiaire élevée. Et même si vous faites un test d'ischémie qui revient positif, bah écoutez, l'indication d'accord, elle a pris du recul en passant de 2A à 2B. Ce déclassement faisant suite aux recommandations de l'ESC 2019 sur la maladie coronaire. C'était notamment basé sur l'essai randomisé STICH, où ils avaient sélectionné un total de 1212 patients avec une FE de 35% au moins et une maladie coronarienne, qui se prêtait soit à un traitement médical seul, soit à un traitement médical associé à un pontage à arthro coronarien. Et en regardant les trois graphes devant vous, ben, on remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre le traitement médical seul et le traitement médical associé à un pontage, en ce qui concerne le critère d'évaluation principale de décès, quelle qu'en soit la cause. En ce qui concerne le bénéfice de la courroux par rapport au pontage, plusieurs méta-analyses ont été réalisées au fil des années, la dernière remontant à celle de 2021, s'accordant toutes sur les mêmes résultats, à savoir que le pontage aorto-coronarien comparé à la courroux entraîne un taux de mortalité plus faible à long terme, mais avec un risque d'AVC à court et à long terme qui est assez significatif. Cependant, aucun des deux, que ce soit la courroux ou le pontage aorto-coronarien, ne peut améliorer les résultats par rapport à un traitement médical seul. Maintenant, comment traiter une insuffisance cardiaque à effet réduit? Ben, vous imaginez bien que la pharmacothérapie, c'est la pierre angulaire du traitement. Ça se base sur le contrôle de la voie neuro-hormonale, du système angiotensine et du système nerveux sympathique. Je vous rappelle ces anciennes guidelines de 2016 où l'approche se faisait étape par étape. C'est-à-dire, on commençait par les bêta-bloquants, les IEC à dose maximale tolérée. Puis, si le malade restait symptomatique après 3 mois, on ajoute des antagonistes de récepteurs minéralocorticoïdes, aussi jusqu'à la dose maximale tolérée. Les diurétiques, on les donne bien sûr pour traiter les symptômes. Et une fois régulé, on le fait baisser graduellement. Et si avec tout ça, le patient reste symptomatique, ben, on passe à l'association sacubitril/valsartan, la resynchro pour les QAL supérieurs ou égal à 130 millisecondes, ou l'ivabradine si la fréquence était supérieure ou égale à 70 battements par minute. Puis après, on avait aussi les traitements de deuxième intention. Notre attention va se porter essentiellement maintenant sur les nouvelles molécules. Je commence par le sacubitril/valsartan. Je ne sais pas, pas si nouveau que ça. Son mécanisme, c'est un inhibiteur de la méprilinine qui permet d'économiser la GMP cyclique dans la cellule. Cette dernière ayant un effet natriurétique, elle inhibe le système angiotensine, évite la fibrose et vasodilatatrice. Il y a eu 3 études qui ont été faites au niveau du sacubitril/valsartan. Tenez bien le paradigme de 2012. Je pense que vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais l'idée, c'était de comparer l'ARNI avec un IEC chez des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avec une FE réduite, en plus du traitement recommandé. Donc, par rapport à l'IEC, le sacubitril/valsartan, il a réduit les risques de décès, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 21%, tout en diminuant les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Toutefois, beaucoup de patients souffraient d'hypotension et d'œdème de Kempf par rapport au groupe d'IEC. C'est des résultats similaires qu'on a retrouvés aussi dans l'étude pionnière, avec comme critère principal cette fois, c'est la baisse du NT-proBNP à J0 d'hospitalisation jusqu'à 4 à 8 semaines. Et cette baisse était assez conséquente dans le groupe sacubitril/valsartan, sans différence notable sur les autres critères comme l'aggravation de la fonction rénale, l'hypercalémie, l'hypotension ou l'œdème de Kempf. Transition, qui est la troisième étude, était une étude randomisée qui cherchait à évaluer la tolérance et le moment optimal pour débuter le traitement du sacubitril/valsartan chez les patients stabilisés après un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë, comparant 2 modalités d'initiation, soit à 12 heures après la sortie, soit de J1 jusqu'à J14. Au final, ils ont montré comme quoi son instauration, que ce soit à l'hôpital ou après la sortie, était faisable avec environ la moitié des patients atteignant leur dose cible. Donc, et maintenant, actuellement, en matière de traitement d'insuffisance cardiaque aiguë, vous allez remarquer que la principale nouveauté, c'est la propulsion des 4 classes thérapeutiques en première ligne. Rien n'a changé pour ce qui est des bêta-bloquants, des IEC, des anti-ALDO. Cette triade est toujours recommandée comme thérapie de base, aux doses maximum tolérées, avec un niveau de recours de 1A. Les IEC, ils ont été la première classe de médicaments à réduire la mortalité chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque aiguë, suivi des bêta-bloquants. Il existe un consensus qui dit que l'IEC et les bêta-bloquants peuvent être démarrés en même temps, mais il n'y a pas de preuve favorisante disant que l'initiation de l'un avant l'autre faisait changer la donne, selon l'étude CIBIS-3. Et ces directives de 2021, ils recommandent toujours l'utilisation de l'ARNI en remplacement aux IEC chez les patients qui restent symptomatiques sous trithérapie avec un niveau de recours 1B, contrairement aux autres qui étaient de 1A, avec une période de sevrage
d'au moins 36 heures de l'IEC pour minimiser le risque de garde. Cependant, un ARNI peut être considéré comme un traitement de premières intentions au lieu d'un IEC en classe 2 avec un niveau de produit B, selon les deux études pionnières et de transition. L'autre nouveauté est l'entrée en force des inhibiteurs de la IGLT2 avec un niveau de recommandation de classe 1A qui ont prouvé dans les études d'APA-HF et Employer Use une diminution significative de la mortalité et du nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et sauf contre-indication ou mauvaise tolérance, ils sont recommandés pour toute patient à insuffisance cardiaque chronique, AFE réduite, déjà traitée sous la trithérapie, qu'il soit diabétique ou non. Alors, c'est un nouveau médicament qui vient de faire son apparition avec une physiologie assez simple. Il bloque les récepteurs de la réabsorption du sodium glucose au niveau du tube contourné proximal, augmentant ainsi l'expression urinaire du sodium et du glucose et provoque ainsi une diurèse osmotique. Ce ne sont pas seulement des antidiabétiques, mais ils vont aussi agir sur le cœur en diminuant la post-charge, la pré-charge, améliorer son travail, diminuer l'inflammation et la fibrose. Ils vont agir aussi sur le rein, par la vasoconstriction de l'artère afférente en réponse à la diurèse et assurer une meilleure néphroprotection en diminuant la pression intraglomérulaire et diminuer les mécanismes de destruction rénale. Sur le plan métabolique, on a une baisse de la glycémie et l'augmentation de la glycosurie et il augmente le taux des kétones qui va augmenter la formation d'ATP en utilisant moins d'oxygène. Son champ d'action est ainsi diversifié en agissant sur plusieurs organes, le cœur, le rein, le métabolisme énergétique et aussi sur l'augmentation de l'érythropoïétine qui va permettre une meilleure oxygénation tissulaire. Là, c'est un peu d'histoire. Il faut savoir que ces IGLT2 étaient inventés initialement par des diabétos pour faire baisser la glycémie, mais au fur et à mesure de leur utilisation, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas ne pas explorer l'inéculité cardiovasculaire et même voir s'il y avait un certain bénéfice. Donc, tous ces essais que vous voyez là, en fait, ils ont été faits dans le diabète chez des patients à haut risque cardiovasculaire, en prévention primaire ou en secondaire. Et ce qui est remarquable, c'est la régularité des résultats dans ces études. Et la première étant la protection contre l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, qui était diminuée de 30% en moyenne, alors qu'initialement, il y avait vraiment très peu de patients qui étaient hospitalisés pour insuffisance cardiaque dans ces essais. Le deuxième bénéfice le plus régulier, c'était la prévention des événements rénaux, qui était diminuée en moyenne de 40%. Donc voilà. Initialement, c'était des médicaments qui étaient prévus pour contrôler le diabète. Et on s'est retrouvé avec une classe des médicaments qui prévient aussi bien l'évolution de l'insuffisance cardiaque que l'insuffisance rénale. Toujours dans le cas du diabète, il était nécessaire de faire cette transition pour le développement de ces médicaments dans le cas de l'insuffisance cardiaque. Vous avez en haut les études qui ont été menées sur les inhibiteurs de la dipeptide 4 et au milieu les inhibiteurs de la GLT2 et en bas les inhibiteurs de la GLT1. Pourquoi je vous montre cette table? Parce qu'en fait, vous arrivez à voir que les inhibiteurs de la GLT2, ils avaient la baisse de la glycémie qui était équivalente aux autres études qui étaient en haut et en bas, mais aussi ils arrivaient à prévenir le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez le diabétique. Donc, à partir de là, on a commencé à se poser la question, à souligner la relation entre ces inhibiteurs de la GLT2 et l'insuffisance cardiaque. Et ce n'était pas seulement lié qu'à la baisse de la glycémie, puisque les autres molécules aussi faisaient de même. Donc, c'est de là qu'ont commencé les histoires d'APA-HF et Employer Reduced. Ce sont des essais qui se ressemblent beaucoup, avec des critères d'inclusion assez similaires, une IFE basse, avec un certain degré d'élévation du NT pro BNP. Et si vous avez remarqué, des essais beaucoup plus peaufinés et sélectifs dans Employer Reduced, en fonction de l'AFE et surtout un débit de filtration glomérulaire plus bas, avec inférieur à 20 ml par minute, comparé à DAPA-HF où c'était plutôt 30. Donc, l'essai DAPA a évalué la dapagliflozine par rapport à un placebo, en plus, bien sûr, du traitement médical optimal sur la morbidité et mortalité des patients. Et elle avait montré une réduction de 26% sur le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou décès d'origine cardiovasculaire. Par la suite, l'Employer Reduced a révélé que l'empagliflozine, cette fois, réduisait le même critère d'évaluation principale de 25% et avec une FEVG inférieure à 40% malgré un traitement médical optimal. Et si on retient l'hospitalisation, que ce soit la première ou répétée, elle était réduite de 30%. Ceci étant vrai, aussi bien pour le diabétique que le non-diabétique. Et vous voyez que ce soit le critère primaire ou le critère secondaire, à savoir le nombre total d'hospitalisations et décès toutes causes confondues, le bénéfice restait le même et homogène. Ces essais étaient aussi construits pour savoir si dans la science cardiaque, ces médicaments prévenaient le déclin de la fonction rénale,
ce qui était assez palpable, quand on voit la ligne noire sur le graphe. Ce déclin était vraiment ralenti par l'utilisation de la dapagliflozine de façon significative. Et donc, il y avait une vraie préservation de la fonction rénale par les ILT2. Il y avait aussi, il y avait, ça a été noté, une petite réduction du débit de filtration de l'urine juste après l'initiation du traitement, mais elle était réversible et il ne fallait surtout pas conduire à un arrêt prématuré du médicament. En ce qui concerne la tolérance du médicament, en dehors des infections urogénitales qui étaient un peu plus fréquentes et moins de 2% et qu'il faut juste prévenir par l'hygiène, il n'y avait aucun effet indésirable qui était digne à signaler. Pas de coma acido-cétosique, ni d'hypotension, ni d'hypoglycémie. Donc, et dernière méta-analyse de 2020, des essais d'APAHF et Empower-Use publiés dans le Lancet, n'avaient trouvé aucune hétérogénéité des résultats en termes de critères primaires et secondaires. De là, et à partir de ces résultats, s'en est découlé cette recommandation pour prévenir les événements cardiovasculaires ainsi que l'aggravation de la fonction rénale chez les patients atteints du diabète type 2, une recommandation qui est d'ailleurs passée de 2A à 1, qui s'est même étendu pour être intégré maintenant dans le traitement d'insuffisance cardiaque à effet réduit, c'est un patient déjà sous traitement optimal et quel que soit son statut diabétique. Concernant les inhibiteurs de la dipeptidase, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ont augmenté de 27% dans un essai plutôt avec la saxagliptine chez les patients diabétiques et ne sont pas du tout recommandés chez l'insuffisance cardiaque. Sinon aussi, on a noté l'avènement d'une nouvelle molécule, le vericiguate, suite aux résultats de l'étude Victoria, publiée lors de l'American College de Cardiologie de 2020. Ce traitement a montré une diminution significative de la mortalité cardiovasculaire du nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque chez les patients dyspnéiques stade 3-4 de la classification Ivec-Argent, ayant une aggravation de leur insuffisance cardiaque malgré une trithérapie optimale. L'étude Victoria a évalué l'efficacité et l'inocuité des stimulateurs de récepteurs de la guanylate cyclase chez les patients qui sortent de l'hôpital juste après une décompensation cardiaque. Et l'incidence du critère d'évaluation principale du décès de cause cardiovasculaire et d'hospitalisation était plus faible parmi ceux qui ont reçu du vericiguate. En revanche, il n'y a pas eu de réduction significative dans la mortalité de toutes causes confondues. D'où le fait que le vericiguate maintenant peut être considéré, en plus du traitement standard, pour réduire le risque de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation, avec une recommandation de classe 2B-B. Une autre étude, l'étude Galactic-HF, a évalué l'efficacité et l'inocuité de l'activateur de la myosine, l'omécantine mécarbine, qui agit sur l'hydrolyse de l'ATP, en augmentant l'action de la myosine par rapport à l'actine, et donc elle augmente la force contractile. Dans cette étude, on avait noté une diminution de 8% des décès cardiovasculaires et du taux de première hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Cependant, ce médicament n'a pas de licence pour une utilisation en insuffisance cardiaque et n'a pas été inclus dans ces nouvelles recommandations, mais à l'avenir, il pourra être envisagé en plus du traitement standard, surtout dans les insuffisances cardiaques à effet très altéré, genre 10 à 15%. Reste à parler maintenant à comment intégrer ces inhibiteurs d'AGT dans notre pratique quotidienne. C'est en fait une seule dose pour tout le monde, pas besoin de titrer ou d'optimiser le traitement, pas besoin de mesurer le potassium, ni la pression artérielle, ni le débit de filtration glomérulaire, et on n'a pas vraiment à s'attendre aux effets secondaires comme ceux des autres médicaments. Donc, à l'heure actuelle, il apparaît vraiment comme un médicament facile à l'emploi. Et je vous rassure, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ce médicament. Et en comparant tous ces grands essais les uns aux autres, Empower Reduced et DAPA-HF se distinguent des autres études par la robustesse de leurs résultats. Et cela se traduit par le nombre de patients à traiter pour prévenir un événement à titre de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation. Alors, pour l'Empower-Reduce, on a 19 patients à traiter pendant 16 mois, alors que pour le DAPA-HF, on a 21 pour 18 mois, et ce sont des résultats qui sont beaucoup plus parlants que ceux de Paradigme ou de Victoria. Il y a aussi ce papier qui a été publié sur le Lancet qui dit que si on utilise ces 4 médicaments chez un patient de 55 ans, ben on prolonge sa durée de vie de 6 ans sur le graphe à gauche. Et si celui-ci commence ce traitement à 65 ans, ben on lui fait gagner quand même 4 ans. Donc, ce n'est vraiment pas des traitements symptomatiques, mais vraiment des traitements curatifs qui prolongent la durée de vie en fonction de l'âge du malade. Par rapport aux autres traitements, les diurétiques de l'anse sont recommandés pour réduire les signes de congestion. La qualité des preuves les concernant est faible et leur effet sur la morbimortalité n'a pas vraiment été étudié. La place des ARA2 elle a changé. Maintenant, elle est recommandée pour les patients qui ne peuvent tolérer ni les IEC, ni les ARNI, en raison des effets secondaires graves.
Et actuellement, seul le pont des Sartans, dont l'étude Charme a fait ses preuves. L'IVA Bradley garde toujours sa place chez l'insuffisance cardiaque à FE réduite, en rythme sinusal, avec une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute, sous traitement optimal complet, ou si intolérance de contre-indication au bêta-bloquant, avec un niveau de repos de 2A. La digoxine peut être aussi envisagée chez le patient en insuffisance cardiaque à FE réduite et en rythme sinusal. Cependant, les études menées sur la digoxine ont donné vraiment des résultats mitigés. Passons maintenant aux dispositifs implantables. Quelle place ont-ils dans ces nouvelles recommandations? Concernant le défibrillateur, il n'y a pas de modification sur la prévention secondaire. C'est toujours recommandé avec un niveau classe 1A chez tout patient qui fait un arrêt cardiaque ressuscité ou une arythmie ventriculaire instable avec une espérance de vie supérieure à 1 an et en l'absence de toute cause réversible. En revanche, en prévention primaire, il y a eu une révision sur l'indication du défibrillateur chez les patients à insuffisance cardiaque à FE réduit, toujours symptomatique malgré 3 mois de traitement sur le terrain de cardiopathie non ischémique. La recommandation est passée de 1 à 2A, en sachant qu'elle est toujours 1A si la cardiopathie est ischémique. Et ces changements sont en partie en rapport avec les résultats de l'étude Danish, mais également secondaires aux grosses avancées du traitement de l'insuffisance cardiaque. On sait que qu'un DAI réduise le taux de mortalité par arythmie chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque réduite, dans l'étude Danish, les bénéfices supplémentaires apportés par ce DAI étaient vraiment moindres. Le taux de mort subite était beaucoup plus faible, et plutôt était faible chez les patients qui avaient une cardiopathie non ischémique, avec seulement 70 patients qui sont morts sur 1116 qui ont été suivis pendant plus de 5 ans. Donc, avec ces résultats négatifs et sur l'étude Danish et l'effet de ces traitements modernes, et ces deux points ont ouvert un grand débat qui était intéressant pendant ce dernier congrès et qui a soulevé une question. Est-ce que le médicament moderne, comme l'IGLT2, va rendre l'indication du défibrillateur dans la prévention primaire de la mort subite obsolète chez cette catégorie de patients atteints de cardiopathie non ischémique? En sachant que dans une sous-analyse de l'étude d'APAHF, l'effet de la molécule avait montré une réduction de 21% de ces événements. En réalité, le groupe des cardiopathies non ischémiques, c'est un groupe assez hétérogène qui comprend plusieurs types de cardiopathies, dont certains présentent un haut risque de mort subite comme l'amylose ou la sarcoïdose. Ces patients doivent quand même être évalués en utilisant des outils de stratification du rythme rythmique, avec comme critère la FE, en sachant que le rythme rythmique est beaucoup plus élevé si la FE est altérée. La maladie sous-jacente, la cardiopathie ischémique étant plus à risque que la cardiopathie dilatée, le terrain et les comorbidités comme l'insuffisance rénale. Et enfin, pour ces cardiopathies non ischémiques, il y a l'IRM qui pourrait aussi nous permettre de ne pas passer à côté de certains malades à risque, et par exemple en nous permettant d'évaluer la charge cicatricielle ou la fibrose. Mais actuellement, on n'a toujours pas de recul par rapport à ça. Donc finalement, le défibrillateur va garder sa place chez ce type de patient, mais doit faire quand même l'objet d'une approche individuelle pour stratifier le risque de mort subite. Concernant la resynchronisation cardiaque, une nouveauté par rapport à son indication chez les patients symptomatiques en insuffisance cardiaque à FE réduite, malgré un traitement optimal depuis plus de 3 mois, et qui sont en rythme sinusal avec un bloc de branche d'une durée entre 130 et 149. Si vous vous rappelez bien, cette recommandation était niveau 1. Maintenant, elle a été dégradée en 2A. Et ceci suite au suivi des malades qui étaient inclus dans les études MADIT CRT et l'étude RAF, qui ont démontré que les bénéfices de la resynchro étaient moindres par rapport à ceux qui avaient un BBG avec une durée QRS supérieure à 150 millisecondes. Bon, de toute façon, ce sujet fera l'objet d'un topo aussi dans les semaines à suivre. Ce congrès a aussi émis plusieurs avis qui couvrent la gestion non pharmacologique, la planification de la sortie et la prestation des soins d'insuffisance cardiaque. En fait, la notion de prise en charge, elle a été introduite avec une importance accordée énormément à la coopération entre les médecins et les infirmiers et un transfert de compétences vers ces derniers vu le manque d'effectifs des médecins. Ils ont aussi parlé de l'accès aux soins en intra-hospitalier et à domicile et le conditionnement physique par l'entraînement. Pour le suivi, ces lignes directrices recommandent un suivi à des intervalles ne dépassant pas 6 mois en soins primaires et ce n'est pas nécessaire que ce soit un cardiologue qui le fasse. Un ECG doit être effectué chaque année pour détecter une prolongation du QRS, pour voir si les patients sont candidats à la resynchro. Et l'écocœur doit être répété s'il y a une détérioration de l'état clinique, pour voir si on peut ajouter d'autres agents pharmacologiques ou des dispositifs implantables. Ils ont aussi accordé beaucoup d'importance à la télémédecine pour rechercher toute infection chez un patient cardiaque,
surtout en ces temps de pandémie où le Covid s'est révélé comme une cause majeure de décompensation cardiaque par l'augmentation de la stimulation de l'angiotensine et donc une réaction hyper-inflammatoire. La vaccination antigrippale et antipneumocoque ont été associées à un risque réduit de décès dans plusieurs études rétrospectives. En ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19, on manque encore de données suffisantes. Pour conclure sur l'insuffisance cardiaque chronique, cette plaque vient résumer à peu près tout ce qu'on a dit. Tous les médicaments dont on a parlé ont été intégrés dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avec effet réduit. En premier rideau, on nous demande de mettre tous les patients sous les quatre classes thérapeutiques qui ont montré un bénéfice en termes de mortalité, que ça soit dans l'ordre ou non, mais surtout le plus vite possible. Le deuxième rideau, c'est surtout l'approche selon le profil clinique. Il n'y a rien de nouveau, les diurétiques, c'est pour décongestionner malade, la resynchro, chez les patients qui ont un aspect de BBG du QRS supérieur ou égal à 150 millisieverts, le défibrillateur chez le patient ischémique, l'ivabradine si la fréquence cardiaque est toujours élevée, et l'anticoagulation, la digoxine, l'ablation par radiofréquence pour la FA, ainsi que la revascularisation pour les malades coronariens. En troisième rideau, si le patient est toujours symptomatique, l'assistance circulatoire, de courte durée ou la transplantation cardiaque. Et enfin, la toute dernière ligne, ce qu'on a dit juste avant, la prise en charge pluridisciplinaire avec la réadaptation cardiaque et la surveillance par télémédecine. Bon, maintenant, on va voir quelques nouveautés concernant l'insuffisance cardiaque aiguë. Ces nouvelles recours proposent un algorithme sur la démarche diagnostique à réaliser devant l'insuffisance cardiaque aiguë. Et on ne montre pas de grands changements non plus. Ça consiste toujours à rechercher les symptômes, les signes cliniques, les facteurs favorisants, ainsi qu'une série d'examens qui sont déjà connus d'entre vous. J'insiste juste sur la place de l'écho pulmonaire, qui figure parmi les examens qui confirment le diagnostic de congestion, et tout cela en suivant juste le Blue Protocol, en cas d'indisponibilité des peptides natriurétiques. Sinon, pour ces derniers, on note un cutoff de 100 pictogrammes pour le BNP et 300 pour le NT-proBNP. La principale nouveauté à rapporter est cette nouvelle classification de l'insuffisance cardiaque aiguë en cas de présentation clinique. Ils se chevauchent mutuellement. Elle se base sur des signes de congestion et d'hypoperfusion périphérique. On commence par la décompensation cardiaque aiguë, qui est la forme la plus fréquente et que celle qu'on voit le plus souvent. Elle survient généralement chez les patients qui ont des antécédents cardiaques. Son début est progressif et son mécanisme principal, c'est la rétention d'eau, responsable d'augmentation des pressions intraventriculaires. Parfois, cette congestion est associée à une hypoperfusion. Donc, son traitement passe par la correction des facteurs précipitants, la décongestion par diurétique et l'utilisation d'agents inotropes ou vasopresseurs en cas de persistance d'hypoperfusion. L'œdème pulmonaire est quant à elle d'installation brutale, toujours liée à la congestion, et à l'origine d'un tableau clinique beaucoup plus franc. Son traitement passe par l'oxygénothérapie en pression positive, les diurétiques en IV et les vasodilatateurs pour diminuer la surcharge du VG. À noter que concernant l'utilisation des vasodilatateurs, ils étaient considérés parmi les principales molécules dans le traitement de l'OAP et maintenant ils ont perdu leur intérêt en passant à une classe 2B parce qu'ils n'ont pas prouvé leur intérêt en termes de mortalité qui cause et d'hospitalisation, que ce soit pour la trinitrine ou l'ARIG. La dysfonction du VD est associée à une augmentation des pressions ventriculaires et auriculaires droites. Ainsi que des signes de congestion. Cette dysfonction peut également altérer le remplissage du VG par un phénomène d'interdépendance ventriculaire. Les diurétiques sont la première option du traitement, mais en cas de signe d'hypoperfusion, la noradrénaline et les inotropes sont indiquées. Le choc cardiogénique, lui, est secondaire à un dysfonctionnement cardiaque très sévère, entraînant une hypoperfusion périphérique, et l'évolution est souvent émaillée d'une défaillance multivascérale greffée menaçant le pronostic vital. Sa prise en charge doit être le plus tôt possible. On préfère l'utilisation de la dobutamine pour ses effets hémodynamiques. Et si support vasopresseur, ben, la noradrénaline a montré sa supériorité par rapport à la dopamine dans les CSOA. L'évancimendan a aussi montré son efficacité hémodynamique versus la dobutamine dans les SLIDO sur la survie des patients, alors que ce n'était pas le cas dans les CSURVIVE. Un petit mot sur la milrinone et les cédorémies. Paru cette année, la milrinone est un inhibiteur de la phosphodiesterase 3. Elle n'a pas montré de supériorité sur la dobutamine, sur tout ce qui est mortalité intrahospitalière, infarctus, AVC, assistance circulatoire. L'omécamtiv dont on a parlé précédemment n'a pas non plus été étudié dans le choc cardiogénique. Concernant les diurétiques, je pense que vous allez beaucoup aimer cette plaque qui est très importante car elle montre comment prescrire les diurétiques
de manière codifiée chez un patient présentant une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, si le patient est naïf de tout traitement diurétique, il faut mettre à peu près 20 à 40 mg en IV de furosémide. Sinon, il faut mettre 1 à 2 fois la dose orale en IV. L'analyse du spot et du débit urinaire 2 à 6 heures après nous permettra de guider la prochaine dose. En effet, si la nitrurèse est supérieure à 50, voire 70 ml équivalent, ou si le débit urinaire qui est plus pratique, supérieur à 100 à 150 ml par heure, il faudra juste répéter la même dose 12 heures après. Sinon, en cas de non-réponse, il faudra doubler la dose en IV, voire penser à une combinaison avec les diurétiques thiazidiques qui ont maintenant un niveau de recommandation 2A versus 2B en 2016. Par rapport à cette résistance aux diurétiques, cette étude s'est intéressée à trois molécules. Un diurétique thiazidique qui est le chlorothiazide, la métalazone qui est un apparenté du thiazidique et le tolvaptan qui est un antagoniste des récepteurs V1 de la vasopressine. Cette étude a montré un bénéfice des trois molécules sur la perte de poids et de la diurèse. D'autres essais randomisés sur la résistance aux diurétiques sont en cours, comme l'essai chlorotique qui évalue l'association furosémide-thiazidique et ADVOR, furosémide-acétazolamide. Il y a une sous-étude de l'essai DAPA-HF qui avait montré que les patients sous dapagliflozin qui avaient plutôt des doses diurétiques moindres que le placebo. On utilisait ça pour l'insuffisance cardiaque chronique, mais il faudra attendre l'essai DICTAT-HF l'année prochaine qui va étudier la dapagliflozin à J0 de la prise en charge d'une insuffisance cardiaque aiguë avec des critères de jugement comme la perte de poids et bien sûr des critères de sécurité d'utilisation à la phase aiguë. Alors, les données définissant le dosage optimal et le mode d'administration des diurétiques sont limitées. Il n'y a pas de différence d'efficacité des symptômes des patients avec un régime à forte dose par rapport à un régime à faible dose, ou en bolus ou en continu dans les C-doses. Cependant, il y a un plus grand soulagement des symptômes dans le régime à forte dose. Donc, pour clôturer ce chapitre de traitement, je vous montre cette plaque qui résume les trois phases de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë. Les deux premières reprennent tout ce qu'on a dit auparavant. Et là, on va parler de la période pré-charge et post-décharge. Cette période est très importante dans la prise en charge des patients hospitalisés pour ces aiguës d'insuffisance cardiaque. Ils doivent être bien décongestionnés avant de sortir et il faut essayer d'optimiser et de maximiser le traitement oral avec les quatre classes thérapeutiques dont on dispose avant leur sortie. Et ces patients doivent être revus très précocement dans un délai de 1 à 2 semaines pour évaluer leurs signes de congestion, la tolérance au traitement et surtout pour essayer de titrer le traitement. C'est un travail qui est quand même assez long et laborieux et qui peut demander jusqu'à 6 mois. Un petit mot sur les comorbidités cardiovasculaires et non cardiovasculaires. On commence par l'association insuffisance cardiaque EFA, qui est fréquente. Elle peut en être la cause comme la conséquence, le pronostic étant meilleur quand la EFA est à l'origine de l'insuffisance cardiaque. Donc, en fait, il y a deux changements à noter. C'est l'anticoagulation, maintenant, qui a préconisé ce sont les AOD plutôt que les AVK, en dehors bien sûr de toute prothèse valvulaire ou de RM sévère. Et cette recommandation est passée de classe 2 à 1 maintenant. Et la deuxième nouveauté, c'est concernant le contrôle de la fréquence. Les données ne sont toujours pas concluantes. En 2016, on savait qu'on disait que les bêta-bloquants étaient recommandés en classe 1, mais actuellement, ils sont en classe 2A, et ceci en fait en rapport avec une méta-analyse qui n'avait pas montré une réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité chez les patients en insuffisance cardiaque en EFA. Et la digoxine peut être envisagée lorsque la fréquence ventriculaire reste élevée, malgré les bêta-bloquants ou lorsque les bêta-bloquants sont contre-indiqués. Pour les patients présentant une instabilité hémodynamique, l'amiodarone paraît une solution envisageable. Et enfin, l'ablation de la FA est passée de 2B à 2A chez les patients en insuffisance cardiaque avec une FA paroxystique ou permanente, avec aggravation des symptômes malgré tous les traitements dont on a parlé auparavant. Alors, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chez le corona chronique ne diffère pas de ce qui a été publié dans les guidelines de 2019. À savoir, il faut évaluer le risque du malade, le risque ischémique plutôt du malade, documenter son ischémie, avant de doter pour une revascularisation sélective. Les bêta-bloquants restent le pilier du traitement. L'ivabradine devrait être considéré comme alternatif si les bêta-bloquants sont contre-indiqués ou comme traitement anti-angineux supplémentaire chez les patients qui ont un rythme sinusal qui est supérieur ou égal à 70 battements par minute. Il y a aussi d'autres médicaments anti-angineux qui sont efficaces pour traiter les symptômes comme la modipine, la phénodipine, le nicorandil ou l'initrate transdermique. Parlons de la carence d'enfer. C'est aussi un sujet qui était d'actualité durant ce congrès.
On le retrouve à 50% des cas chez les infections cardiaques chroniques et plus de 80% des cas chez les infections cardiaques aiguës. Les multiples essais ils ont montré que la supplémentation offerte par IV améliore les symptômes, la capacité d'exercice, la qualité de vie des patients et une réduction du risque de décès de toutes causes confondues et d'hospitalisation cardiovasculaire. Et ceci, que la personne ait une anémie ou pas. Dans AFIM-HF, les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque inférieure à 50%, avec une carence en fer, ont été randomisés en deux groupes, ceux qui recevaient le carboxymal tosphérique en IV et ceux du placebo. Ça a été répété à 6 puis à 12 semaines d'intervalle. Ce qui a été montré, c'est que le nombre de premières hospitalisations pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaire a été réduit en administrant le carboxymatose. Par conséquent, maintenant, il est recommandé que tous les patients atteints d'insuffisance cardiaque soient régulièrement dépistés pour leur anémie et la carence en fer avec, en faisant une INFS complète, une ferritine sérique et le coefficient de saturation de la transférine. En revanche, la thérapie orale par le fer n'est pas efficace et n'a pas amélioré la capacité d'exercice. Donc, ne vous amusez pas à donner du traitement oral comme ça à temps après chez les malades en ambulatoire. Un petit rappel sur l'évaluation du risque cardiovasculaire pour tout patient à haut risque de cardiotoxicité devant recevoir des thérapies anticancéreuses potentiellement cardiotoxiques avec un niveau de recommandation de classe 1. Une diminution de 10% de la FE ou une FE inférieure à 50% devrait faire considérer l'introduction des bêta-bloquants et des IEC chez tout patient sous anthracycline. Et pour l'amylose, on a le tafamidis qui est rentré dans ces nouvelles guidelines, à la fois dans l'amylose à transthyrétine sénile et héréditaire, en classe 1, pour améliorer la mortalité et le taux d'hospitalisation. On a laissé ATTRACT, qui a permis une évaluation spécifique de la dose optimale du tafamidis à long terme. Donc, les patients étaient randomisés pour recevoir soit du 80, soit du 20 mg, soit un placebo pendant 30 mois. Et on est sorti que la combinaison de la mortalité toutes causes confondues et le nombre d'hospitalisations d'origine cardiovasculaire sur 30 mois a été significativement réduit avec le tafamidis 80 et 20 mg par rapport au placebo, avec un bénéfice quand même qui est nettement plus significatif avec le tafamidis 80 mg que le 20 mg. Et les incidences des événements indésirables dans les deux doses étaient comparables au placebo. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Pour résumer ce qui est nouveau dans ces guidelines, c'est une simplification des algorithmes avec au final beaucoup plus de liberté, de choix, de médicaments et une approche beaucoup plus agressive avec introduction précoce des quatre classes thérapeutiques. On a l'autre point qui est le rôle et l'importance des peptides natriurétiques et l'échocœur dans le diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique. On a aussi le point des indications du défibrillateur chez les patients en insuffisance cardiaque à effet réduit sur le terrain de cardiopathie ischémique et non ischémique et la resynchro cardiaque selon la morphologie et la taille du QRS. On a l'autre nouveauté, c'était la classification d'insuffisance cardiaque aiguë en quatre tableaux selon la physiopathologie. L'intérêt de l'introduction des traitements avant la sortie du malade avec un suivi rapproché. Et enfin, la prise en charge des comorbidités cardiovasculaires et non cardiovasculaires, avec notamment le traitement du diabète type 2 avec les GLP-2, le dépistage de l'anémie et la carence en fer et supplémentation chez les patients symptomatiques. Donc voilà, je m'excuse si la présentation a été un peu longue, mais je tenais vraiment à vous faire passer les messages clés et pratiques de ces guidelines. Donc je vous repasse la parole, madame. Oui, merci beaucoup, Rally, pour ta présentation qui est, comme tu as dit, vraiment large. Bon, je te ferai des remarques tout à l'heure, donc je vais attendre un peu. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des ajouts, ou autre dans l'audience? Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est docteur Charfo. Donc, merci, docteur Gali, pour cette belle présentation, très riche. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir, en grosso modo, avec cette nouvelle recommandation, on constate qu'on s'affranchit un peu de l'introduction séquentielle, donc par étapes, de l'ancienne recommandation. Donc, comme il l'a dit dans sa conclusion, que on a à notre disposition quatre classes thérapeutiques qui ont pratiquement le même niveau de preuve, donc de recommandations fortes, classe 1, donc liées à
en grande partie à leur baisse de la mortalité. Et ceci dans un but, en fait, d'aller plus vite pour éviter toute inertie thérapeutique chez ces patients qui sont en insuffisance cardiaque. Maintenant, moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est par rapport... C'est vrai qu'on a tous ces quatre classes thérapeutiques, mais il y a des patients, en fait, qui sont insuffisants cardiaques, soit qui ont une tension artérielle qui est basse ou une insuffisance rénale. Donc, je me dis que peut-être chez ces patients, il faudrait imaginer du moins des stratégies thérapeutiques particulières au cas par cas aussi chez ces patients-là. Donc, aussi un point important, c'est que en dehors des patients qui sont en état de choc cardiogénique ou bien insuffisance rénale aiguë, donc il n'y a pas lieu d'arrêter ou diminuer les doses de ces médicaments-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Oui, allez, vas-y, tu réponds. Alors, par rapport à ce que tu as dit, Dr Chafou, en fait, l'idée qui a été véhiculée durant ce congrès, c'est qu'ils voulaient s'affranchir de cette approche, comme tu as dit, séquentielle. C'est-à-dire, on commence par ce médicament, on le titre jusqu'à sa dose maximale, on passe à la deuxième, puis la troisième, puis on revoit le malade, quitte à le perdre sur le suivi. Et tout. Parce qu'il faut dire que le malade, une fois qu'il sort de son hospitalisation, par la suite, on a vraiment du mal à le capter et à suivre son traitement. Donc, l'idée, c'était quoi? Ils ont étudié plus ou moins la morbimortalité et de chaque médicament, en retenant les bénéfices de chaque médicament, et ils ont associé les quatre pour essayer d'en faire profiter aux patients au maximum. Et d'ailleurs, j'avais montré une plaque par rapport à ça où ils disaient qu'ils avaient fait gagner 6 ans à 4 ans de durée de vie pour chaque malade. Donc, et alors l'autre truc, le deuxième aspect que tu as fait référence, c'est l'approche selon le profil clinique du malade. Ça aussi, ils en ont parlé et ça a été aussi sujet à un grand débat. Comment faire justement pour adapter ces traitements chez un patient, par exemple, qui est en insuffisance rénale. En sachant que l'insuffisance rénale chronique et terminale, c'est on va dire la bête noire des cardiologues, mais il s'agit des traitements en ambulatoire. Donc, en fait, les études d'APA-HF et Reduce, ils sont venus avec l'idée de mettre des seuils bas. Et encore, ils ont dit comme quoi ils peuvent encore aller plus loin que ça. D'accord ? Donc, les inhibiteurs de la GLT2, ils sont apparus comme une solution ici, justement pour pallier à ces limites posées par les autres médicaments comme les IUC et les antagonistes des récepteurs minéracorticoïdes. Mais ils disent aussi qu'il faut prendre en considération la balance avantage-risque. Par exemple, je te donne un petit exemple. Tu vas donner des inhibiteurs GLT2 chez un patient qui est diabétique et qui a une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale avec un DFG aux alentours de 30-20%. Ce n'est pas franchement intéressant parce que tu vas avoir peut-être une baisse du débit de filtration de 15-20% au risque de le faire passer au dialyse. Et alors, au final, c'est quoi le bénéfice que tu fais retenir? C'est quoi? C'est juste faire baisser sa glycémie. En revanche, chez un patient qui est en insuffisance cardiaque, les inhibiteurs de la GLT2, ils ont montré beaucoup de bénéfices. Je t'en ai parlé sur le cœur, sur le rein, sur le métabolisme énergétique. Donc là, la balance avantage-risque est beaucoup plus en faveur des avantages. Tu vois? Donc vraiment, ça n'a pas été bien codifié et précisé. Mais vraiment, il pousse celui qui prescrit le cardiologue à vraiment considérer le malade en son tout et à réfléchir en donnant justement la solution des inhibiteurs de la GLT2 ou des armes dans ce cas de figure. Je vais un petit peu résumer. Rally, tu as dit un mot tout à l'heure, mais oui. Je suis un fan des SGLT2. Bon. Parce que à chaque fois dans tes présentations, dans ta discussion, c'est le SGLT2. Je vais dire un petit mot pour Cherfo. Le traitement cardiaque est un traitement qui est lourd et qui doit être réfléchi. L'avantage de donner les quatre médicaments
à la fois, c'est que chacun a un effet. On ne dit pas qu'il faut donner à pleine dose tous ces médicaments, on les donne selon les signes fonctionnels, selon la physiologie. C'est-à-dire que le but, effectivement, c'est d'essayer d'inhiber cette inertie médicale et de donner le maximum qu'on peut, mais tout en respectant, effectivement, les contre-indications. La tension, elle est basse, il faut respecter un petit peu, donner de petites doses. Je veux revenir un petit peu sur une notion à Rally tout à l'heure, c'est oui. Que les IEC restent toujours parmi les premiers. Les ARNI, on peut les donner, je n'ai pas dit le contraire, mais attention, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte avant de les donner. Mais les IEC qui sont vraiment en premier, les IEC, les bêta-bloquants, les SGLT2 et sur le quatrième les antagonistes, minéralocorticoïdes. Donc, mais pour l'insuffisance rénale, c'est vrai qu'il faut gérer les choses en fonction de son grade, de son et de l'intérêt de donner donc tenir compte de tous ces éléments. L'essentiel, c'est d'arrêter cette inhibition du médecin et d'essayer de donner toutes les chances selon, bien sûr, les indications et les contre-indications. On ne va pas te demander de donner les quatre médicaments pour quelqu'un qui a une insuffisance rénale terminale ou quelqu'un qui a une tension à 8. Bon, c'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir et puis essayer de caser, si on peut caser, ces quatre médicaments. D'accord, merci. Ok. Il y a d'autres remarques, d'autres commentaires? Oui, madame, si vous permettez, c'est docteur Ladaoui. Donc, c'est juste pour parler un peu de ce point-là, ces recommandations, en alignant tous les médicaments, les quadrithérapies, en remplaçant le traitement séquentiel. Bon, j'ai l'impression que la dapagliflozine, l'empagliflozine, ils ont eu comme une carte blanche concernant le traitement, parce que si on remarque, et ça, Rally l'a cité durant les deux grands travaux, que ce soit DAPA-HF ou EMPEROR-DIU, c'est qu'ils ont pris des patients qui sont symptomatiques. On va remarquer qu'ils sont des patients entre classe 2 et 4 de la dyspnée selon la ligne Gregacha. Et sur les recommandations, le tableau, en fait, il ne précise pas, même sur le texte, si le patient est symptomatique ou asymptomatique. Et là, le point qui attire l'attention, si un patient, par exemple, il est asymptomatique, ce bêta-bloquant IEC et minéralocorticoïde, par exemple, est-ce qu'il faut obligatoirement aller vers un dapagliflozine ou un sacubitril valsartan, par exemple? Les trois premières classes, on a dit qu'il y a une réduction de mortalité chez les patients asymptomatiques et symptomatiques. Moi, je crois que pour la dapagliflozine, empagliflozine, parce qu'on va le revoir la semaine prochaine aussi sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ils ont eu aussi une carte blanche concernant ces volets-là. Et en essayant de les aligner, en fait, pour baisser un petit peu cette inertie utérine, mais ça va permettre, en fait, de personnaliser le traitement sur plusieurs grades de patients. Et là, en fait, on ne va pas aller sur le traitement maximal optimal par rapport à ces trois premières classes, mais on va essayer un peu de jouer et de faire des scénarios par rapport à chaque patient. Et ça, en fait, je ne sais pas, les années à venir vont peut-être prouver ou pas ce qui en sera comme résultante, mais je crois que pour l'instant, pour la dapagliflozine et les inhibiteurs, enfin, je parle de la sacubitril valsartan, moi, je dirais plutôt c'est pour des patients qui sont toujours symptomatiques, mais ces recommandations, les textes, ils ne sont pas au clair et les études qui sont basées montrent bien cela. Les trois premières classes, pour moi, ils gardent une place essentielle. Et deuxième scénario sur lequel je vais mettre le point, est-ce qu'un patient, par exemple, qui aura besoin d'un IEC, est-ce qu'on passe directement à la dapagliflozine ou quand même, on essaie par l'IEC et si ça ne marche pas, que le patient reste symptomatique, ou bien c'est la BMP. On a vu ça au début, c'est la BMP. Un patient, c'est aux IEC et les BMP restent élevés. Ça veut dire que même s'il est asymptomatique cliniquement, ça veut dire qu'on n'a pas bien jugulé son insuffisance cardiaque. Là, peut-être qu'on pourrait passer directement vers la dapagliflozine. Je peux un petit peu très mal.
Vous m'entendez? Je crois que j'ai un problème au niveau de la connexion. Oui, on vous entend, madame, on vous entend. Alors, je veux revenir un petit peu sur cette notion, effectivement, de dapagliflozine ou de façon générale. Pour l'avenir, je te promets, j'ai assisté à une réunion justement sur ça. Pour l'avenir, probablement, les SGLT2 vont prendre vraiment le premier pas. Parce que il y a une diminution de la mortalité de plus de un quart, de 25%. Et aussi, manipuler ces médicaments, ce n'est pas dur. Et il y a peu d'effets, il y a peu de contre-indications. C'est pour ça que ça prend de plus en plus de la place. Donc, je ne dis pas qu'il faut donner de la dapagliflozine pour tout le monde, mais l'avenir va nous montrer que la DAPA ou l'empagliflozine vont vraiment prendre le pas supérieur. Bon, peut-être pas, ils ne vont pas dépasser les bêta-bloquants, mais vraiment, ils sont en train de grignoter et aller vers là. On verra ça sur l'avenir et les nouvelles études. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Merci en tout cas pour toutes ces remarques parce qu'elles sont très enrichissantes et chacun exprime un petit peu ce qu'il pense. Excusez-moi, madame, j'aimerais juste rajouter un deuxième point qui m'a semblé important durant ces recommandations. Et on s'attendait au changement des recommandations entre 2016 et 2020. Concernant en fait les classes thérapeutiques par rapport aux IUC et aux bêta-bloquants, les tableaux, ils n'ont pas changé. Les classes médicamenteuses thérapeutiques des bêta-bloquants et des IUC, que ce soit, par exemple, je donnerais par exemple pour les IUC, c'est toujours le captopril, l'enalapril et le ramipril avec le risinopril, par exemple, et pour les bêta-bloquants, c'est toujours le bisoprolol, carvedilol et nibivolol. Pour l'instant, il y a d'autres classes, et là, en l'occurrence, je parle de perindopril, par exemple, pour lequel on s'attendait qu'il figure parmi les recommandations de 2020. Et en remarquant le tableau sur la première page, c'est toujours, même s'il y a des études qui ont montré du bénéfice, mais pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, les recommandations, en fait, ils ne sortent pas sur ces classes médicamenteuses-là. Tu as parfaitement raison parce qu'ils ont économisé, ils n'ont pas voulu faire de grandes études sur la mortalité, mais tu as parfaitement raison. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires? Oui, bonsoir, c'est Dr Méchal. Merci Bnani pour Docteur Bnani pour ce résumé des nouvelles recommandations. Je voulais juste parler un peu de la définition de l'insuffisance cardiaque à feu préservé, parce que finalement la définition n'a pas trop changé et il n'y a pas des critères un peu clairs échographiques qui se sont rajoutés à part la masse VG et le volume de l'OG. Est-ce que je ne sais pas, les dernières études, ils parlent du strain, que ce soit le strain VG ou le strain de l'oreillette gauche, un peu de l'écho d'obus, éco-stress pour voir les paramètres PAPS, Vmax d'unité à l'effort, E sur E' à l'effort. Est-ce que, je ne sais pas, sur les études, on n'a pas des critères qui se sont rajoutés, c'est un peu décevant, on n'a que les deux critères qui restent, volume de l'OG et masse VG. Sinon, une autre remarque par rapport, juste je voulais rajouter par rapport à la thérapeutique, à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, tout ce qui est volet réadaptation cardiaque, vaccination grippale et pneumocoxique, il faut aussi ajouter ce point. Ce sont deux volets qui restent très importants à gérer chez l'insuffisant cardiaque et c'est la réadaptation cardiaque avec la gestion du déconditionnement périphérique qui permet un peu de reprendre les activités quotidiennes et de diminuer les symptômes chez un insuffisant cardiaque, même s'il est bien traité et sous médication optimale. Bon, avant que je te donne la parole, Rally, pour répondre, docteur Michel, la fraction d'éjection préservée, la traitée, c'est la semaine prochaine où elle va être traitée. Donc, Rally, tu peux maintenant répondre à. Et jeudi, je pense, madame, c'est docteur Zerli normalement qui va la présenter. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Oui, allez, maintenant, pour répondre aux autres questions. J'attends les prochaines questions, s'il y en a.
Il y a eu juste une petite remarque peut-être que j'aimerais faire, et en fait en défilant un petit peu ces recommandations, il y a la place du sacubitril/valsartan et son association avec les inhibiteurs de la GLT2. Déjà, je sais pas si c'est, moi j'en parle parce que j'aimerais bien en discuter. Le sacubitril/valsartan sur toutes les plaques qui ont été mises sur le papier, ils ont placé en même position que les autres médicaments. Toutefois, la recommandation qui a été mise, c'est toujours un B. En association ou en remplacement plutôt aux IEC, ou même en 2BB pour le mettre en première intention. D'accord? Et ce qui m'interpelle, c'est qu'ils disent qu'il faut mettre tous les médicaments ensemble, mais il y a vraiment peu d'études, et j'en ai même presque pas trouvé, sur l'association sacubitril/valsartan avec l'inhibiteur de la GLT2. Surtout sur l'effet diurétique et tout ce qui risque d'hypovolémie et déshydratation. Je ne sais pas si ce que vous en pensez par rapport à ça. Alors, c'est une très bonne question parce que j'avais déjà soulevé cette question dans un des congrès moi-même, moi aussi, pour dire que c'est donner systématiquement le sacubitril/valsartan. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Si on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un souci avec les IEC. J'ai toujours été un peu attaquée dans ce sens, mais il y a certaines personnes qui le font d'emblée. Alors, l'association, oui, c'est-à-dire si le patient tolère le sacubitril/valsartan et il est dans des conditions pour associer, c'est avec l'arrière-pensée de donner les différents médicaments avec. Qui ont des mécanismes différents et pour, entre guillemets, effectivement diminuer encore la mortalité. Mais à ce jour, que tu as parfaitement raison, il n'y a pas d'études qui disent qu'il y a une diminution de mortalité en associant ces deux médicaments. Donc, ça va venir, j'espère, mais on n'a pas vraiment de. Donc, on a chacun d'un côté, mais cette association. Il faut quand même l'étudier pour dire que elle est importante, elle est intéressante. Excusez-moi, madame, pour rebondir sur ce point, juste pour expliquer à Rali pourquoi, en fait, sur les recommandations, il parle de 2B pour les patients qui sont sous IEC et qui passent sous inhibiteur, enfin, sacubitril/valsartan. En fait, ils se sont basés sur l'étude Paradigme HF. Et Paradigme HF, en fait, il a fait quoi? Il a comparé le sacubitril/valsartan par rapport à l'enalapril, en se basant sur d'autres études qui comparaient l'enalapril au placebo. Enfin, la conclusion finale, c'est que chez les patients qui sont naïfs de l'IEC, là, on peut aller vers 1, c'est une classe 1. Alors que chez les patients qui sont déjà sous IEC, et comme on n'a pas assez d'études, comme vous l'avez dit, madame, à part la paradigme HF, qui montre que les patients sous enalapril, si on passe vers le sacubitril/valsartan, on serait mieux. Mais comme l'échantillon n'était pas très important et qu'il n'y avait pas de méta-analyse, c'est pour ça qu'il y a une différence entre la classe, parce qu'on remarque sur les recommandations sacubitril/valsartan, c'est une classe 1 sur la même ligne, mais sur le texte, si un patient il prenait les IEC déjà, et qu'on switchait directement après 36 heures d'arrêt vers sacubitril/valsartan, c'est une classe 2A. En fait, en se basant sur cette étude uniquement. Et d'ailleurs, les analyses de ces recommandations l'ont bien souligné sur plusieurs congrès, que peut-être par la suite, d'autres études vont montrer une upgrading, enfin, un upgrading de cette lignée de recommandations. Mais un autre élément, c'est oui, c'est que même si elle est classe 1, mais elle est au niveau de preuve B. Alors que les IEC, c'est classe 1, Exactement. niveau de preuve Exactement. A. Donc ça, quand Exactement. même, il y a il y a plus de preuves. Oui. Donc, alors, je veux revenir un petit peu sur une question que Dr Michel avait posée tout à l'heure. C'est concernant effectivement la réadaptation et les vaccinations. Je suis vraiment, c'est quelque chose de très important. Je sais que Rally a parlé un petit peu de la réadaptation, mais il l'a survolé. Bon, je vais revenir tout à l'heure sur les remarques. Et la vaccination, bon, peut-être qu'il en a parlé, mais je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas fixé. Ce sont des éléments très importants, effectivement, pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je ne sais Oui. pas, docteur Bounani, tu as parlé des vaccinations ou pas?
Oui. Alors en ce qui concerne la réadaptation cardiovasculaire, j'en ai fait très rapidement illusion dans le cadre du suivi du patient. C'est vrai que ça, ils ont montré comme quoi ça avait augmenté, enfin, ça a amélioré la capacité fonctionnelle, diminué la symptomatologie. Et en même temps, par rapport à la vaccination, ce qu'il y avait d'actualité maintenant, c'est la vaccination antigrippale et antipneumococcique. Dans les études qui ont été faites observationnelles et rétrospectives, ils ont montré qu'il devait être introduit le plus précocement possible après l'épisode d'insuffisance cardiaque. Mais par rapport à la vaccination anti-Covid, ils disent qu'il faut le faire, mais franchement, il n'y a pas de données, il n'y a pas suffisamment de feedback pour venir dire, voilà, il faut le faire. C'est juste, ils disent qu'il faudrait le faire. Voilà. Mais sinon, c'est vrai, je n'ai pas trop insisté sur ces points-là parce que vraiment, il y avait beaucoup de choses à en parler et tout. Donc, bon, je m'en excuse. Hein. Moi, justement, je vais te faire des remarques. Justement, ton sujet était trop vaste. On ne devait pas faire l'insuffisance cardiaque chronique et aiguë. Et jamais on ne vous posera une question d'elle aiguë et chronique. Parce qu'en même temps, c'est long, c'est fatigant, mais aussi, tu ne peux pas rentrer dans le fin fond de chaque chose. Et ça, c'est vraiment la première remarque. Par exemple, l'insuffisance cardiaque aiguë, je la vois différemment. Je la vois vraiment pas dans que tu l'as projetée. Et l'insuffisance cardiaque chronique, il y a des éléments où tu aurais pu encore plus insister. L'insuffisance cardiaque, c'est le traitement effectivement non pharmacologique. Tu n'es pas rentré dans les détails dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Quelles sont les indications, les contre-indications? Les études à venir, etc. Bon, la réadaptation, tu viens d'en parler, donc là aussi, on aurait pu encore entendre un peu plus. Et le traitement des comorbidités, c'est important aussi, enfin, surtout les BPCO, les autres, les autres pathologies en général associées, le sujet âgé, c'est un peu particulier. Où je vois aussi le traitement de l'insuffisance cardiaque selon l'étiologie. Ce que tu avais rapporté tout à l'heure, moi j'aurais aimé faire donc l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. Bon, l'insuffisance cardiaque idiopathique, c'est ce que tu as parlé en général, mais tu as des étiologies coronariennes, valvulaires, Masmanech, rythmiques, notamment la FA. L'amylose, bon, les étiologies comme ça, et pour chacun, tu ajouteras un élément en plus dans ces traitements. Voilà donc les grandes remarques que je voulais te faire tout à l'heure, c'est que chronique à part et aiguë à part, parce que ce sont des manières de voir différentes, et puis dans la chronique, il a fallu un peu rentrer un peu plus de détails, bon, c'était la transplantation cardiaque. Qui fait partie effectivement la phase ultime du traitement de l'insuffisance cardiaque, donc un SMNH. D'accord? Oui. Bon, voilà, donc j'ai fait quelques remarques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions pour Dr Mnani si vous n'avez pas compris des choses? Pour les jeunes, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Vous Oui, voulez. madame, oui. Bonjour. Bonsoir. C'est Hatim Hajar, résident première année. Donc, Vas-y. tout d'abord, je tiens à remercier Dr Ghali pour sa présentation qui était vraiment riche. Donc, pour les questions, j'ai, s'il te plaît, deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a pour les inhibiteurs de la ACGLT2, est-ce qu'il y a intérêt de faire des ECBU de contrôle vu le risque des infections urinaires? Même s'il a dit que c'est pas vraiment fréquent, que c'est inférieur à 2%, mais est-ce qu'il y a quand même un intérêt à les faire ou bien il faut attendre des signes d'appel d'infection urinaire pour le faire? Pour la Alors, deuxième. Oui. vas-y, vas-y, tu as une deuxième question. Oui, il n'y a pas de souci. Et pour la deuxième question, s'il te plaît, tu as insisté sur les coups pulmonaires. Donc, est-ce qu'il faut la faire systématiquement? Sinon, quelles sont les indications pour faire une écho pulmonaire chez les patients avec une infection, insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection qui est réduite? Alors, d'accord. Alors, par rapport à la première question, les infections urogénitales.
sur les études qui ont été publiées, on va dire, ça a été assez noté. C'est vrai que c'est 2-3%, mais c'est assez redondant. Donc, par rapport à ça, non, il faudra le calquer selon les signes cliniques rapportés par rapport au malade. Donc, ce ne sera pas des ECB à répétition comme ça. D'accord? Sinon, par rapport à l'écho pleuro-pulmonaire, en fait, l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est la dyspnée. Devant toute dyspnée, tu vas faire l'écho. En fait, l'écho pulmonaire, c'est dommage qu'on n'intègre pas dans la pratique quotidienne parce qu'elle a vraiment une valeur ajoutée qui est assez palpable. C'est-à-dire, tu te retrouves avec le malade qui te fait un OAP ou une décompensation durant la garde. Tu n'as pas forcément les peptides adrénaliques juste à côté. Il suffit juste de prendre la sonde linéaire, tu la places avec les lignes pleurales A, B, et tu arrives facilement à déterminer si tu en OAP et tout. Il y a, je pense, les critères de Vernacchelli qui déterminent justement si tu as, selon des quadrants, 6 quadrants à droite, 6 quadrants à gauche, et si tu arrives à avoir plus de 3 lignes de comète B pour chaque quadrant de chaque côté, bah, tu es dans l'OAP et voilà, tu peux traiter ton malade. Alors, à titre d'information, dans l'insuffisance cardiaque, il y a une équipe qui fait, je leur ai donné un appareil d'écho, un petit, qui font l'écho thoracique systématique. Alors, quand un docteur Sitsmia, qui c'est qui l'a fait maintenant? Qui c'est qui a pris le V-scan? En fait, c'était chez docteur Moussaïd, il l'a déposé chez Mariam avant de quitter pour son stage. Oui, mais Jawendi, je leur ai montré. qui l'a pris, c'est pas un truc d'une personne. Qui c'est qui maintenant qui fait les échos? Normalement, tout le monde doit apprendre et doit faire, et même vous, les jeunes, comprendre. Je connais pas l'appareil d'écho. Je pense, madame, qu'il est chez Dr Mounawir. Dr Mounawir Makish Mana? Il était d'interservice, madame. Il vient de rentrer. Et il va se connecter. Non, parce que si on pose des questions comme ça, si Dr Benani n'est pas au courant qu'on fait les échos thoraciques, ça veut dire quelque chose qui cloche. Normalement, là, ça doit se faire systématiquement. Bon, c'est vrai que l'intérêt, c'est beaucoup plus quand il y a une dyspnée et surtout dans les aigus, pour avoir un diagnostic facile ou une prise en charge rapide, on les fait surtout les aigus, mais quand c'est chronique, effectivement, bon, son intérêt est moindre que quand c'est aigu. Oui. D'accord. D'accord, madame, merci. Mais il faut absolument, bon, je vais voir le mouchkilada. Normalement, vous devez faire l'écho thoracique pour les malades qui sont dans l'hôpital de jour de l'insuffisance cardiaque. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Tu vas amener Aléa. Allez-y. Merci pour rappeler ce genre de questions. D'autres commentaires ou d'autres questions? Les jeunes? C'est clair? Sinon, je peux poser une question. On a un nom au hasard et je vais poser une question. Personne ne veut parler? Bon, si personne ne veut parler, bon, on va se quitter, on va se dire au revoir, bonne soirée, à demain. Merci Rally pour ta présentation, merci tout le monde. Mais je vous en prie. On va discuter de ça demain matin. Merci Rally, bonne soirée. Bonsoir. Merci madame. Bonne soirée madame. Bonne soirée.